réentrée de live sur le DAX. Donc là, nous entrons sur un niveau précis de price action. On va essayer de jouer, pourquoi pas, ce petit niveau sur les 54,8 avec un stop de marché très serré à 80, donc à 12 pips. Et ensuite, on verra le comportement du price action sur la moyenne mobile. Pourquoi pas pour intégrer et aller rechercher des niveaux précédents avec un major TP sur la boule TL ici aux alentours des 220. Là pour l'instant, voilà, ce sera à voir. Modification de trading, là nous ajoutons une seconde position sur le DAX à 259 short, toujours pareil pour cette fois-ci, la première est couverte en break-even, la deuxième donc est shortée ici pour aller rechercher cette boule TL aux alentours des 250. Voilà, tout stop de marché à 268, on rajoute une petite couche légèrement exposée, toujours dans le scénario d'aller rechercher donc au moins ce niveau-là, voire la grosse boule TL ici. Bon, pour l'instant, rien n'est fait. Voilà. Une soixantaine de pips. Ah, on va laisser un peu développer. Allez. Ice Actionneur, quelle est votre profession? Ice Actionneur, quelle est votre profession? Voilà, nous sommes sur une resumption. Là en bas, c'est juste un petit indicateur qu'on a mis en place. C'est vraiment pour voir un peu par rapport à la pression des prix. Rien d'exceptionnel, voilà. Mais là, en fait, on relâche la pression qui était accumulée ici. Sous ce niveau, il y avait un beau short. Maintenant, voilà, on sort à une petite dizaine de points de notre boule TL. Sur ce niveau, pas les points pivots présents à l'écran, car là vraiment il y avait des signaux price action qui nous permettaient de voir, même en unité de temps inférieure, qu'on pouvait pourquoi pas avoir un petit retracement au moins sur ce niveau là. Bon, là on est arrivé ici, c'est parfait.